C'est vraiment un souhait de nourrir au plus près de nos champs. Historiquement, les Champs de la Terre, c'est une famille de maraîchers qui était installée à Colmar et qui vendait tous leurs légumes sur Colmar. Et puis petit à petit, la demande a augmenté, du coup la ferme s'est agrandie et aujourd'hui on continue de distribuer à Colmar et aux environs. Au marché, on a mis en place du vrac, on fait les jus, on fait goûter. Ce qui est important, c'est de faire connaître en fait les légumes. Il y a beaucoup de gens qui vont que consommer de la carotte ou de la tomate et puis ne vont pas tenter un nouveau légume. Et ce qui est important, c'est pour nous, c'est aussi ça, c'est tout un devoir d'éducation et de faire connaître. À travers les paniers, on peut facilement le faire, mais au marché, ça passe par le goût, ça passe par des petits échantillons, des petites recettes qu'on fait goûter le légume transformé directement ou cru. L'évolution de la ferme, c'est aussi tendre vers une boutique. Donc on est en train de créer une boutique en ligne. L'idée, c'est que les clients puissent directement de chez eux commander leur panier, créer leur propre panier en fonction de ce qu'il y a dans la boutique. L'idée, c'est vraiment d'être davantage souple et au plus près de la demande du client.